J'ai besoin d'un corps pour étudier le fragment. Dans la légalité. Ce n'est pas sinistre. Oh, pardon, vous m'avez surprise alors qu'une blague me revenait en tête. Oh, tant mieux. Je me disais, oh non, est-ce que je dois m'inquiéter? Je peux peut-être vous la raconter. Combien d'orphelins décédés faut-il? Non, Sarah. Je suis le docteur Anuradhadar. Et moi, la gardienne des défunts. Mais vous pouvez m'appeler gardienne, vous savez, car nous sommes maintenant des amis. Oh ! Bien. J'aimerais... Ma société aurait souhaité acquérir l'un de vos produits. Un produit ? Mes enfants vont être tellement ravis de l'apprendre. Oh, vous savez quoi? J'aurais dû... C'était peut-être une... Allons! Nous pouvons faire affaire. J'ai beaucoup de produits à vendre. Tous... Parfait! Bien. Rappelez-moi le nom de votre société. Je vais vous regarder fixement en attendant votre réponse. Globo Compucor. Qu'est-ce que ça veut dire? On propose... des solutions... Du contenu. Oh, ça j'aime beaucoup! Vous êtes volontaire, tout comme mes adorables enfants. Bon, j'ai besoin d'acheter un corps et vous sembliez la bonne adresse. Acheter un corps? Mais enfin, dépravé! Non, j'ai... Hein? Je pensais que vous vendiez des produits parfaits. Je fabrique des bougies! Vous vendez pas des cadavres? Bien sûr que non! C'est... sinistre! Oh, et caresser un cadavre en l'appelant votre enfant, c'est normal? Quoi? Mais j'étais en train de vous parler de mes filles! C'est cet horrible boulot qui paie leurs études sur Eden 6! Oh! Oh mon Dieu! Et j'avais mal compris! Clairement! Maintenant, allez! Sortez immédiatement d'ici! Non, attendez! Il me faut un corps, c'est important pour mes recherches! Et vous pensiez que j'allais vous en vendre un comme ça? Je sais pas pour qui vous vous prenez à débarquer comme ça, en réclamant que je vous apporte des cadavres de tout poil, comme si vous étiez dans un fast-food de bas étage, mais vous vous méprenez grandement! Je veux dire, avec ces corps, je pourrais faire des expériences qui... sauveront des vies. Mais si vous dites vrai, pourquoi ne pas contacter une université ou un hôpital? Je l'ai fait. Ils ont dit non. Parce que... Notre société emploie exclusivement des criminels en cavale. Et voilà.
Mais... Bon, j'ai... changé d'avis. Je vais vous vendre un cadavre. Quoi? Vraiment? Oui, vous me semblez sympathique et... franchement, qu'est-ce que ça pourrait bien encore leur faire, hein? Bon, laissez-moi une minute, d'accord? Mais vous pouvez faire un tour. En replaçant la colonne vertébrale, je pourrais sûrement rattacher la tête au reste du corps. Et oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais de ma vie ? Les dégâts de la chute sont minimes. Les yeux et les dents sont tous là, comme neufs. Enfin, sauf pour eux. Reste. Désolée. Pardon. J'ai dû déménager. Le loyer du frigo était trop cher. Mais mes revenus, ou leur absence, soyons honnêtes, importe peu. Je vous provoque en duel. Sérieusement? C'est-à-dire que je suis un peu occupé là. Alors vous serez aussi occupé à perdre. Allez, en garde! Ok, bon, une partie. Choisis ton archibald. Flak! Flak versus Roland! Archibald! Battez-vous! Oh oh! Ouh! C'est un coup critique! Criez! C'est un coup critique! Alors ça, ça va faire mal. Wow. Combo super arche. Le coup de glace. Capo. C'est gagné. J'ai été vaincu. C'est juste une question de stratégie. Je pourrais vous donner des conseils pour vous améliorer. Votre victoire me rabaisse assez. Comme d'habitude, je suis la victime d'une humiliation abjecte. Je ne mérite pas de m'abreuver à la douce fontaine épicée de la victoire. Une fontaine épicée? Moi, je mérite même pas de rester parmi les vivants. Enfermez-moi! Merci. Mmh.
Amanda Eileen des défunts, diplômée de l'Académie préparatoire d'Eden 6. Je les aime si fort. Est-ce que tout va bien? Je prépare votre corps. Surtout, m'en dites pas plus. Un digitube cathodique. Apparemment, ça limite bien les lags quand on joue aux Ecosims. J'essaie justement de passer pro dans Call of Medal of the Field 4. Cool. C'est pas de la cire. Oh, ok. Oh, bon sang. Elle s'en sert peut-être pour se défendre. Une bonne ingénieure se débrouille avec ce qu'elle a. Maintenant, j'enfonce la tête sur le pic pour qu'on puisse faire de cette expérience un nouveau souvenir à réprimer. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez dit comme neuf. Qu'est-ce qui est comme neuf? Waouh! C'est vrai, n'est-ce pas? D'accord. J'ai trouvé un corps pour vous si vous voulez venir le voir. Venir, et donc changer de pièce? Bien sûr, oui, quittons cette pièce immédiatement. Suivez-moi, je vous prie. Je savais que j'avais un cadavre qui traînait quelque part dans le coin. J'avais l'intention de m'en débarrasser, honnêtement. Il commence à sentir, par contre. Ça vous ira? C'est parfait, franchement. Plus il est vieux, mieux c'est. Toutes mes excuses pour ça. Qu'est-ce que vous faites? C'est que quelqu'un a mis votre tête à prix. C'est assez d'argent pour payer les études de mes filles et m'investir dans la création de bougies à temps plein. Je pensais que vous étiez normale. Dixit, la femme en quête d'un vieux cadavre puant. Et puis, c'est pas moi qui vais vous tuer. Je me contente de vous enfermer dans un cercueil jusqu'à ce que vous étouffiez. C'est le cercueil, votre assassin. Prenez-vous-en au cercueil.
Ok. Pas de panique. T'es pas claustrophobe. Sauf que maintenant, tu l'as dit à voix haute, tu l'es. Oh merde, oh merde, oh merde. Non. Stop. Oui, les lunettes. Allez, faites voir un truc. C'est quoi ? Un trou, mesurant 0,5 mm de diamètre. En l'élargissant, vous pourriez vous enfuir d'ici et éviter d'être exécuté par la société Tedior. Hein ? Vous parlez pas, depuis quand vous parlez ? Mise à jour Shadow installée illégalement par Octavio Wallazdar. Frappez maintenant. Oh. Oui. Bon, combien de coups avant que je puisse passer? D'après la force des coups donnés, la porte du cercueil devrait céder dans 5000 coups de poing. Pas de panique, Anou. Prends ton temps, parce que Tedior sera là très bientôt pour te capturer et t'achever. Frappe un coup après l'autre. Ah, ok, ça pique un peu. Beaucoup. Allez, tu es presque plus que environ 3900 coups et quelques. Ici le docteur Anuradhadar. Je suis pas en mesure de vous répondre pour l'instant. Laissez un message. Ton frère a fait des miracles avec cette histoire de QG, Anou. Je t'envoie l'adresse là. J'espère que tu t'éclates avec tes courses. À plus. J'ai vu votre annonce à la télé et je vous appelle pour la prime. Le docteur Dar? Oui, la scientifique bizarre Dar, tout à fait. Et elle est morte? Non, pas encore. Mais elle devrait être à court d'oxygène d'une minute à l'autre. Parfait. On a votre position. Mes hommes vont venir s'occuper de vous. Enfin, je veux dire, apporter votre récompense, sous peu. Pardon, vous venez de dire quoi? Tedior vous remercie pour votre service.